Zambo Rangisa, the captain of the team, Rigobert Sombahana, said it clearly that any time Maxim Choupo-Moting and Vincent Aboubakar another round, know that the captain of the team is Zambo Anguissa. Ah oui, l'une des bonnes nouvelles, vous pouvez le voir ici, c'est la titularisation à la première convocation de Faris Pemi Boubagna. Eh bien, il sera à l'avant-centre des Lions Indomptables aujourd'hui. L'entrée donc de cette sélection camerounaise qui se présente un peu comme l'ogre face à l'équipe nationale de l'île Maurice, assez modeste, 167e au classement FIFA, classement mondial. L'arbitre central de ce match, Ahmed Aradjiga, le Tanzanien de 32 ans, c'est lui qui va diriger cette partie. L'île Maurice d'une part et le Cameroun d'autre part. Cinquième confrontation, les quatre premières ont toutes tourné à l'avantage du Cameroun. 16 buts marqués pour le Cameroun jusqu'ici. Un seul pour l'île Maurice avec des scores de 5 buts à 0. Cela s'est répété. Aujourd'hui, Franck Zambo Anguissa et les siens auront la roue de responsabilité de garder le curseur à ce niveau de performance du Cameroun face à l'île Maurice. Confrontation directe. The anthem of the Mauritius, Motherland, describes the luxurious landscape of the Mauritius. Flash bulbs, my friend. The excitement is heavier than thunder right over here. Greeting the players and greeting the anthem. Goosebumps rising. And it is time in the next few minutes for the tussle to begin. Les cœurs des millions de Camerounais qui ont battu donc à l'unisson sous le ciel de Japoba, sous le ciel de l'ensemble du triangle national. Voici le 11 entrant donc du Cameroun avec dans les buts André Zambo Anguissa. Une défense à 3 puisque c'est un schéma tactique du 3-4-3. Christophe Aouar, Oumar Gonzalez et Jean-Charles Castelletto, Ivan Neyou et Franck Zambo Anguissa seront les deux sentinelles. Junior Tchamade, titularisé dès sa première convocation, sera à la droite. Darlene Yongwa, très réclamé par les Camerounais, sera à la gauche. Faris Pemi Moubagna, titularisé d'entrée à l'attaque des Lions Indomptables. Le capitaine du jour, c'est, vous le voyez bien, Franck Zambo Anguissa. Et Ahmed Aradjiga, quite young, 32 years old, is going to be the referee of this game from Tanzania. For his last four matches, he was the fourth referee. And this time he's coming up to be the central referee. I tell you, it is going to be a big challenge for Aradjiga Ahmed. He's had some games to control as a central referee, but he's also had many games. His last four games, he's watched as the fourth official. He'll be assisted by John
Kamba and then Self Panga. And here comes the Mauritius. And I told you, they have called up 12 players playing abroad because they have the great expectation that they can bring in a contribution against the Lions. Chioti Dorian is coming in. Normally, the goalkeeper for the team is Jean-Louis, but he's coming over to take the place. And then you have Adel Lange that you should watch. Wilson Mutu, Yannick Aristide. Coach for Cameroon, Rico Besson, he said during the press conference that they need to begin this expedition well, so that at the end of the day, they will not have to start making suppositions on what happened. Ah ouais, et en face de Rigobert Sambanac, c'est Etienne Olivier Fiti, Razoana Vivo, c'est le sélectionneur donc des Dodo. Vous pouvez encore les appeler du club M. Et la partie qui va débuter, elle qui est dirigée donc par Ahmed Aradi, le Tanzanien. Ah, c'est sa première expérience majeure, hein. Son premier match des Lions, on va diriger la partie qui va donc débuter de cet instant. Le chrono, le compte à rebours qui se met donc en marche pour la qualification pour la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Les Lions indomptables l'ont promis. Plus de suspense à la dernière minute. La qualification se négocie dès la première journée. On va le démontrer certainement tout à l'heure. Christophe Owo l'a à cœur. Évidemment, Oumar Gonzalez aussi. Faris Pemi Moubagna, le joueur du FK Bodø/Glimt. Tous. Et le voici, le nouvel entrant. Donc, ce sera l'avant-centre des Lions indomptables qui n'arrête pas de marquer au championnat norvégien. De grosses attentes donc de cet attaquant. And I know you'll be looking up at it's gone.